Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Ou jan m konnen ou gen pwoblèm. E pi ke ou kontan kon sa? Ah, m pa kache di ou. Depi m komanse li bib mwen chak joua, m santi chaj pwoblèm mwen yo soti sou dom. Si se kon sa, mwen pou al kouvri achete yon bib. Degaje ou manche. Men, an atandan, ou katan de Radio Télévision d'Espoir? Radio Vision d'Espoir? Oh, mwen te tande yon anons kon sa, oui. Men ki sa se a te di? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour, de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi, 5h30, 6h de l'après-midi, samedi, 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Madeleine Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus, amen. Lévitique, chapitre 8. Consécration d'Aaron et de ses fils. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les deux béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. » Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, « Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture, il le revêtit de la robe, et il plaça sur lui l'éphod, qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral et il joignit au pectoral l'urim et le thummim. Il posa la tiare sur sa tête et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction. Il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient et le sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel et il oignit l'autel et tous ses ustensiles et la cuve avec sa vase afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de la sanctifier. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceintures et leur attacha des bonnets, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le taureau expiatoire et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour. Et purifia l'autel, il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie et les deux rognons avec leur graisse
et il brûla cela sur l'autel. Mais il brûla au feu hors du camp le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le bélier de l'Holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea et répandit le sang sur l'autel tout autour. Il coupa le bélier par morceaux et il brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes et il brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut l'Holocauste. Ce fut un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur la lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons avec leur graisse et l'épaule droite. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain, placée devant l'Éternel, un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette, et les posa sur les graisses et sur l'épaule droite. Il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils, et il les agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Puis Moïse les ôta de leurs mains, et il les brûla sur l'autel par-dessus l'Holocauste. Ce fut le sacrifice de consécration. Ce fut un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Moïse prit la poitrine du bélier de consécration et il l'agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Ce fut la portion de Moïse, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Moïse dit à Aaron et à ses fils, « Faites cuire la chair à l'entrée de la tente d'assignation, c'est là que vous la mangerez, avec le pain qui est dans la corbeille de consécration, comme je l'ai ordonné, en disant, Aaron et ses fils la mangeront. Vous brûlerez dans le feu ce qui restera de la chair et du pain. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis, car 7 jours seront employés à vous consacrer. Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit, et vous observerez les commandements de l'Éternel afin que vous ne mouriez pas, car c'est là ce qui m'a été ordonné. Aaron et ses fils firent toutes les choses que l'Éternel avait ordonnées par Moïse. Psaume chapitre 127. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel me bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel me garde la ville, celui qui la garde veille en vain.
En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Psaume chapitre 128. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Amen. Psaume chapitre 129. Cantique des degrés. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé le long sillon. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent, tous ceux qui haïssent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des trois, qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit point sa main. Celui qui lit les gerbes n'en charge point son bras. Et les passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Amen. Psaume chapitre 130. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Luc chapitre 24. Résurrection de Jésus-Christ. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre, et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici,
mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres qui étaient avec elles. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Sur le chemin d'Emmaüs. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? » Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin ?» et nous expliquait les Écritures. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit.
Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux, puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. » L'ascension. Il les conduisit jusque vers Béthanie et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.